étoile de mer. Je roule d'abord la pâte à sucre en boule. Et ensuite, j'essaie de l'aplatir. Voilà, je l'aplatis. Et je vais essayer de sortir 5 bras. Voilà. Là, j'ai sorti 5 bras. Je peux accentuer ces bras en creusant vers l'intérieur, en tirant. Voilà. J'essaie de les allonger, de les assouplir. Il faut vraiment que ce soit plat, sinon ça va nous pénaliser. Aidez-vous d'un lisseur. Voilà. Et tirez les tentacules, enfin tirez les bras. Voilà. Voilà. Vous affinez les bouts. On affine les bouts. Voilà. Là, on a une étoile de mer. Alors, décorez l'étoile de mer comme vous voulez, hein. D'accord, vous la faites comme vous voulez. Moi, je vais faire ça. Vous pouvez imiter une vraie étoile de mer en téléchargeant une image sur Internet pour produire exactement la même chose que j'ai l'habitude de faire. Souvent avec les étoiles de mer, c'est que je prends une petite paille, elle est percée au milieu et je vais la passer sur toute l'étoile. Ça fera plus réaliste.